Hola, hello. Bon, j'ai eu envie de tester là, le truc, les ongles, les faux ongles, soi-disant que tu peux enlever quand tu veux et qui tiennent vraiment bien. Excuse-moi, je suis pas coiffée, j'ai pas le temps. C'est nul un peu, hein. C'est un peu nul, en plus c'est cher. J'ai acheté quoi, t'as vu, fallait que je teste. Franchement, je me suis pris une petite paire, je voulais pour l'été. Déjà ils sont arrivés grave en retard, donc je les ai pas eu pour l'été. Et quand je suis rentrée de mes vacances, bah, je les ai eus, donc je les ai essayés. Et ça a tenu, allez, le temps que je sorte et que je rentre. Voilà, fin de journée, je suis rentrée, j'ai dû tous enlever parce que bah, c'était un peu compliqué. Hein. Fallait vraiment les remettre tous les 30 secondes, sinon ils se barrent. Et il n'y en a qu'un qui tenait vraiment, tous les autres se sont enlevés normal. Et ouais, c'est le côté patch en fait. Le côté patch, le fait de mettre des patchs sous ton ongle en fait. Franchement, ça se voit, c'est des faux ongles. Ça fait une grosse bosse. Surtout s'il est mal mis, alors là t'es dans la merde. Et c'est super dur à enlever. Super dur à décoller pour le mettre sur ton ongle en fait. Donc du coup, il me reste un essai. Parce que j'ai fait que un, voilà. Il me reste, parce qu'il y a de quoi faire deux fausses, donc bon, je vais réessayer. D'accord. Mais personnellement, mon premier avis, c'est next, quoi. T'as vu Roxy Nail, next. Ok? Voilà. Moi, je suis pas trop faux ongles, hein. Mais bon, pour une soirée ou pour. Là, c'était juste pour mes petites vacances. Je suis parti une semaine ou deux. Donc, je vais faire ma belle. Mais rien du tout. Et donc je voulais voir si ça s'enlève facilement, rapidement. Mais bon, franchement, nul, nul. Je vais refaire pousser mes ongles, c'est mieux.